Ah mais c'est à partir. Et c'est mieux, c'est parti. Tom Pernopin, remarquablement bien. Oui. Oui, et c'est attention, bon. Marlène Brody qui attaque tout de suite. Elle a pas froid aux yeux, Marlène. Elle a pas froid aux yeux, mais Xavier Pompidou a réalisé le départ parfait. Tom Pernot a gardé sa deuxième place et Marlène Brody n'a pas trop tenté de l'attaquer. Alors là, il va à l'extérieur, ça va être plus compliqué. Par contre, attention, elle passe à l'intérieur, Marlène. Et oui, ça y est, un petit coup au passage sur le museau. Et non, c'est... Oh, et c'est Arnaud de sa mère qui en profite. Et de sa mère passe maintenant Marlène. Alors qu'il a perdu deux places, Tom. Ouais, là, Marlène en dérive dans les ornières à l'extérieur, mais avec sa voiture motule, elle conserve pour l'instant la deuxième place. Et Tom Pernot revient sur sa mère. Ah oui, mais pour l'instant, l'homme de tête, c'est Xavier Pompidou, qui a fait un super départ et qui est en train de se promener. Alors que derrière, il y a eu un petit peu de touchette, un petit peu de... Allez, je vais essayer de te passer, mais non, je ne vais pas me laisser faire. Si, je vous en prie, vas-y. Enfin, non. T'as vu, elle a été un peu vache, hein. Marlène. Eh bien, regarde, c'est merveilleux, on le fait tous les trois. Allez, Marlène qui est repassée. Et Tom qui attaque, Arnaud de sa mère à l'intérieur, il passe. Oh, superbe. Il le passe, il est passé. Oh, le dépassement, superbe. Ah, il a pas mis. Il est passé. Ah ouais, il est passé. Il dit, je ne sais pas dépasser, mais alors là, il n'a pas essayé deux fois. Hein. Voilà, attention, ne pas trop aller à l'extérieur, là, maintenant. Ouais, et il va essayer de revenir. Ah, il se fait rattraper par sa mère qui le pousse. Ah, mais ça ne marche pas. Il reste toujours devant Arnaud de sa mère. Attention, dans le dévers, là, c'est dans un des endroits les plus compliqués du circuit. Ne pas partir trop large, il reste bien à la corde, bravo. Et il va rester dans sa position. Pour un baptême du feu, c'est assez splendide. Hein. C'est splendide. Toujours en tête, Xavier Pompidou. Bah oui, on l'a un peu perdu. Le voilà, Xavier, il est dans la compression là-bas. Ouais, il va arriver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Il a une bonne avance quand même, hein, environ 5 secondes. Le voilà, Xavier Pompidou, avec la voiture aux couleurs de l'Itrophée Andros, toujours en tête. Et derrière, regarde, la bagarre est terrible parce que Marlène Brody qui porte les couleurs de Motul devant Tom Pernot qui porte les couleurs d'Andros, c'est la bagarre. Arnaud sa mère aux couleurs d'Elilis. Qui a perdu trois longueurs là. Il a perdu trois longueurs. Il a été désarçonné par la contre-attaque de Tom Pernot. Et Vicky avec la. Et qui revient, il revient, Tom. Il va repasser. Et il passe Marlène. Il la passe. Il la passe. Il la passe. Finalement, c'est le plus jeune pilote de cette épreuve d'Isola 2000 qui aura fait le plus de dépassement. Il aura fait deux dépassements dans la même finale. Et tu sais comment il a fait pour dépasser Brody? Eh ben, il l'a poussé parce que Tom pousse. Oh, elle est bonne. Merci. Ouais, merci. Au revoir. Fantastique course de Tom. Bon, écoute, ben, quand même, il a été doublé, il a dépassé deux fois. Alors maintenant, il va se lancer à la poursuite de l'homme de tête de cette finale, c'est Xavier Pompidou. Et il y a 5 secondes, pratiquement d'écart. Enfin, il y avait 5 secondes au tour précédent. Et il est presque revenu. Regardez ça, c'est incroyable. Il est revenu. Incroyable, il revient sur Pompidou. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Il a pris les cours du soir, il va pas au lycée, il va conduire les voitures. C'est pas possible, il y a Anguille Souros là. Oui, c'est sûr. Il doit rien foutre. Et regarde, Xavier Guizet, il passe. Il l'attaque. Non, il l'a pas passé. Il l'a passé. Il a gagné. C'est pas vrai. Troisième dépassement de Tom. C'est pas vrai. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et 2 et 3-0 pour les dépassements. Fantastique. Pour Tom Pernot. Ah ouais, bah alors là. Attends, c'est le héros. Ah, c'est le héros. C'est le héros de cette journée. Avec le record du tour hier et aujourd'hui, peut-être la victoire. Et je peux te dire, il a le record du tour. Il a le record du tour. Attention, Xavier Pompidou revient. Il reste combien de tours là? Bah écoute, on va rentrer dans le dernier tour lorsqu'ils vont passer sur la grille ici devant nous. Ouais, mais c'est incroyable. Alors, attention, parce que là, c'est un petit peu compliqué ce passage sur l'argent. Ouais, il passe remarquablement bien. Il a choisi sa trajectoire. Non, la voiture ne bouge pas. Il rentre dans le dernier tour avec une avance de une seconde et demie sur Xavier Pompidou. Attends, c'est complètement délirant. C'est sa première course quand même. Olivier Pernot, franchement, t'y croyais toi? C'est fabuleux, il fait vraiment un beau travail. Ah ouais, bon travail, extraordinaire. Avant-dernier tour, messieurs. Ouais, oui, c'est, non, on est dans le dernier, l'arrivée... Oui. Je crois bien que l'arrivée c'est maintenant. Enfin, mais écoutez, non, puisque à moins que... Ah d'accord. Enfin, j'espère, moi. Ah, mais si tu le dis, c'est... Les recommandations. Non, mais moi, j'ai pu me tromper d'un tour. J'étais tellement pris par le spectacle. Ah, oui. C'est votre cœur, Philippe. Ah, c'est ça. Il vous perdra. Ah, c'est mais je sais. Allez, écoute, on va regarder. On va continuer à suivre parce que Xavier Pompidou revient. Pompidou revient. Attention. Allez. Pompidou revient. Mais Tom Pernot est toujours en tête. Allez, dernier tour, ce coup-ci je confirme, on rentre dans le dernier tour. Ouais, Tom Pernot est toujours là, il a beaucoup mieux passé cet endroit délicat que Xavier Pompidou d'ailleurs, il a dû reprendre un petit peu de temps.
Marlène Brody est toujours là. Il perd pas du tout de sa concentration, c'est ça qui est extraordinaire. C'est fou quand même. Ah oh ouais, on dirait un vieux boy-scar. T'es ouais, sûr attention t'es sûr qu'il a ça. Et tête à queue de Xavier Pompidou. Marlène passe à la deuxième place et Arnaud de sa mère passe troisième. Eh ben dis donc, on en aura vu. Hein. Ah, il s'en sera passé des choses. Hein. C'était Enedis, trophée Andros électrique. On se sera régalé du début à la fin. Ouais. Arnaud de sa mère face au talus. Non, ça repart. Et Marlène, qui pour l'instant est partie à la chasse de Tom, et il reste trois virages à Tom avant de remporter sa première course sur le trophée Andros pour sa première participation. Incroyable! Formidable arrivée de Tom Pernod dans la famille Pernod. Je demande Tom, et le voilà! 16 ans, je vous le rappelle, et il va remporter cette finale. Le voilà, Tom, avec le record du tour en prime! Hey incroyable! Non, mais et puis il ouvre la portière et il vous salue en plus! Ah, il fait ça aussi. Il fait ça aussi. Ah, c'est, chômage, pas incroyable. C'est pas incroyable. 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 Alors, eh ben, dis donc. Et regarde, il va faire le tour complet, la portière ouverte. Quelle victoire. Non, non, mais c'est dingue. Il salue tout le monde, les commissaires. Génial, génial. Ouais. On se sera régalé.